Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un autre Vlogmas, où ce que je vais vous montrer mes décorations de Noël. Je vous montrerai pas ceux-là de dehors, malheureusement, parce qu'il fait froid et j'ai pas fini de les installer. Fait que je vais vous virer de bord pour vous les montrer. Ici, on a les petites maisons. Je sais pas d'où ça vient. Ici, j'ai une mère Noël qui est une salière ou une poivrière. Ça, ça fait des années que j'ai. Je pense que ça appartenait à ma mère. On a un petit Père Noël ici. On a un petit Père Noël ici qu'il faut juste mettre un lampion pour allumer. Ma mère habituée qui fait fête et en tout temps parce que je l'ai à l'année longue. Ici, j'ai des petits collants pour les fenêtres, des petits flocons. Ici, j'avais acheté ça, je pense, l'année passée. Une salière poivrière, j'ai rien mis dedans. Là. Une salière poivrière de Noël, c'est des petits bas de Noël. Comme ça. Ensuite, on a un genre de. Je sais pas. De petit train qui est marqué ho 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 avec un Père Noël. On a pris ça à la ressourcerie. Une pièce et demie, on n'avait pas encore enlevé. L'étiquette. Ensuite, ici, on a un petit sapin. Je pense que c'est ma marraine qui m'a donné ça. Il s'allume pas, là, mais c'est pas grave. Ici, on a un petit bonhomme de neige avec les pattes qui sont rendues pas mal bas. C'est ma fille qui s'amuse à les détacher. Puis, c'est aimanté. Ensuite, ici, on a d'autres collants pour la fenêtre. Ça, ça vient du Dollarama. Puis les autres, c'est ma belle-mère qui me les a donnés. J'en ai d'autres ici. Comme ça. Ensuite, j'ai un petit Père Noël gnome ici. Je pense que ça vient du Dollarama. Oui, j'ai payé ça un instant 15 chez Dollarama. C'est vraiment pas cher. Il y a mon sapin de Noël. Et la plupart des décorations viennent de Dollarama, ma ceinture, VMR. Et ça, mes boules viennent d'un peu partout. Il y a des boules qui appartenaient à ma mère. J'ai acheté des trucs sur Wish, Jum ou AliExpress. J'ai le petit ornement ici qu'on a pris. À l'île du Prince-Édouard. Ça, on a acheté ça chez Taxoros. Amelia. Ensuite, les petits pingouins viennent du Dollarama. Ici, j'ai ma boîte. J'ai ma boule que mon amie Jeanne m'avait faite. Ensuite, j'ai la boule de notre chat qu'on avait, Tatou. J'ai décidé de le faire rouge et argent cette année. Je trouve que c'est vraiment beau. Et la petite boule ici qui ne fait pas, mais c'est une petite boule à Amélia de la Pat Patrouille que j'ai achetée au Dollarama. Il y avait des petits bonbons dedans. Oh mon petit pitou. Fait que c'est ça pour l'instant. Je pense qu'on va le virer de bord, le tourner parce que. On n'a rien mis en arrière, puis je pense qu'on va le voir de la fenêtre. Ensuite, ici, on a d'autres petits collants, comme ça, qui viennent de chez Dollarama. On a un petit chien qui fait du dos. Comme ça, des reines, des Pères Noël, puis des pingouins. Ensuite, ici, on a les bonnes Noël. On les a pas toutes installées, j'en ai plus que ça. Mais lui au milieu, le reine, c'est le mien. Puis ça fait 35 ans que je l'ai. En haut, c'est Bernard. En bas, c'est Laurent, le nouveau. Amélia. Ensuite, j'ai un petit lutin que j'avais acheté chez Dollarama. J'ai un autre gnome ici. J'ai un petit pingouin que ma mère a mis dans la plante. Ici, on a des petites décorations, des petits bonhommes
des petits bonhommes comme ça. Ça, de base, ça servait pour mettre des bonbons dedans, mais là. Ensuite, j'ai un trio de sapins. Ça vient du Dollarama aussi. Les petites décorations ici viennent du Dollarama aussi. Le Père Noël aussi, je l'avais accroché sur la porte de ma fille l'année passée. Ça, c'est un sapin que ma belle-mère a fait et a donné aux parents mon chum à la résidence avant qu'il décède. Fait que c'est nous qui avons hérité du petit sapin. Il s'allume, là. Il s'allume, je vous le montrerai peut-être dans un vlog le soir allumé. Ensuite, ici, on a trois petits ornements que j'ai achetés chez Dollarama. Éventuellement, j'aurais voulu les installer là, mais là, on les a mis là pour le moment. J'ai un reine, un bonhomme de neige et un Père Noël. Et pour finir, j'ai sorti le petit bonhomme de pain d'épices. Fait que voilà mes décorations de Noël. Éventuellement, j'irai vous montrer ceux de l'extérieur. À date, on a seulement mis deux trucs à l'extérieur. Fait que c'est ça, j'ai peut-être acheté d'autres choses. Faut que j'aille m'acheter des lumières pour mettre là. Puis je vais voir si je mets d'autres choses aussi. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une belle journée. On se revoit dans un prochain vlogmas. Ben, dans un prochain jour du vlogmas. Bye bye.